Et ça, pareil, je vais le mettre en virtuel là-haut. Procédure. Fin du niveau virtuel. Pour avoir un comportement possible différent selon le type de jeu. Et donc là, en plateau normal, on fait une initialisation. Plateau du jeu. Donc quand on finit le truc, on relance le truc. Le score est initialisé une seule fois. Et ça devrait être bon. Donc est-ce qu'il me reste tout doux à part l'affichage du score? Non. Donc l'affichage du score, on l'a ici. On va aller récupérer des chiffres en nombre, en fait, en valeur, en image. Donc on aura score et le timer, en fait. Donc le score, ce sera avec un petit logo à côté, et le timer, pareil, avec un chrono. Et je foutrai ça en haut de l'écran ou par-dessus le reste. Image de fond, ça par-dessus. Comme ça, ce sera le même fonctionnement sur les deux. Or, sur celui-ci, je mettrai juste le score en haut à gauche, par exemple, et le timer en haut à droite sur la partie challenge, qui sera la seule à gérer le timer. Le score se débrouillera tout seul, puisque c'est géré par les propriétés qui seront communes. Donc, dans un premier temps, on va mettre juste un texte. Hein. Alors, zone de jeu, elle est là. Image de fond, elle est là. Par-dessus l'image de fond, alors la zone de jeu, elle est quoi? Elle est centrée? Elle est none. Elle est en none. Ah oui, c'est géré avec des... Oui, c'est géré avec des... Ah, je vais y arriver. C'est géré avec des marges. Donc là, sur l'image de jeu, je vais rajouter un label qui va me servir de score, au moins dans un premier temps, et le mettre en haut, à gauche. Il est où, lui? Ouais. Donc, il est là, et je vais le foutre en top. Non! Pas en top. Je vais l'ancrer, en fait. Alors, l'image, elle est centrée, donc là, évidemment, il faut pas que je le fasse. En top, il est en none. Position. X, Y, ce sera 10, 10, et il est ancré en haut à gauche. Left, machin. Et sa largeur, je vais la changer. Elle sera de 100 par exemple, en auto-size. Ouais, tranquille. F12. Donc, mise à jour du score, c'est label 1. 1.text en fscore.toString. Voilà, donc ça normalement, si j'exécute ça, j'ai mon système de jeu qui fonctionne tout seul. Enfin, si ça compile correctement. Nombre de paires restantes. Ah oui, alors pardon, autant pour moi, comme j'ai fait ça sous forme de propriété. En ça, moins 1. Et d'ailleurs, c'est dans les paires restantes qu'il faut que je teste si on a atteint le 0. Comme ça, ce sera plus sûr. Donc là, if machin. À ce moment-là, on met le truc à fin de niveau. Et donc, est-ce que je teste nombre de paires? Pardon, nombre. Nombreux. Voilà. Nombre paires restantes, est-ce que je me sers de la propriété pour la remettre à 0 ou autre? Là c'est bon, là je la décrémente, à aucun moment je ne la modifie en dur, donc c'est bon. Il ne faudrait pas que je la remette à 0 par la propriété et que derrière ça déclenche un nouveau niveau si je commence par ça. Donc là, tel quel, le jeu doit fonctionner. Cette fois-ci, j'ai le score qui doit s'afficher quand je joue en niveau de base. Donc, une, je le faire au hasard, hein. Hop, hop, ça, c'est celui, non, c'est ça, ça, alors évidemment, le score n'apparaît pas parce que c'est sombre, là, je suis à 4, hein. Là, hop, hop, je passe à 3, ici, 5, oui, pardon, hop, là, donc, score de 8, ici, je passe à ça, là,
au pif, et donc score de 14. Donc le fonctionnement du score passe. Si j'annule celle-ci, je suis bien, je décrémente bien de 1. Si j'en sélectionne 2, j'enlève un point. Là, je passe à plus 2. Ici, et on est bon. Ok, donc ça fonctionne correctement. Évidemment, il est illisible hein, tel quel, donc on va l'agrandir. Et selon la taille de l'appareil, évidemment, il sera positionné différemment. Donc là, je mettrai au score avec des vraies lettres en image. Ok. Donc ça, c'est bon pour le score. Maintenant, faisons le chrono pour le mode challenge. Donc là, on a géré le niveau de jeu de base, mode de jeu, codage. Codage du mode de jeu classique. Effectué. On va s'attaquer du mode de jeu challenge. Effectué. Hop là. Donc le challenge. Le challenge a dit qu'on allait hériter de la fiche actuelle. Donc je vais créer une nouvelle fiche dans mon projet. Nouveau ici, c'est fichier héritable et depuis le F-jeu. Alors c'est pas ça que je dois faire, c'est fichier ajouter nouveau, pardon, autre. Ici, on est sur les éléments héritables et donc c'est depuis le jeu lui-même. Mon jeu, FRM, jeu, c'est celui-là. Donc l'écran de jeu, j'hérite de sa classe et donc ce sera l'écran challenge. Alors là c'est FRM jeu 1, non c'est FRM challenge. J'enregistre en F challenge. Évidemment du coup sur mon mode sur mon changement d'écran je dois gérer le mode challenge que je n'avais pas jusque là donc dans mon main. J'ai donc un nouveau type d'écran qui est le challenge. Et puis un nouveau type d'écran veut dire aussi une nouvelle fiche que je vais inclure aussi dans le programme. Donc c'est challenge où es-tu. C'est celle-ci que je vais charger en implémentation. J'en aurai pas besoin dans l'écran. Donc j'ai jeu. Ici ce sera challenge. Et ici c'est donc challenge. Et là, je rajoute mon type d'écran challenge. Voilà, et au niveau du menu, donc dans accueil, quand on clique sur challenge, je vais donc activer autre chose que j'active challenge. Donc là, c'est bon, je peux sortir de celui-ci. Là, j'ai rajouté mon truc, c'est bon, je peux en sortir. Et là, normalement, j'ai fini, puisque j'ai rien d'autre à changer hein, là-dessus. Il doit automatiser le reste. Hein, F4. Donc, la carte, a priori, j'ai plus besoin d'y toucher non plus. Elles sont opérationnelles. Et ici, bah, je vais donc rajouter un deuxième label en haut à droite. Donc, au niveau de mon écran, je vais rajouter un label 2. S'il m'active la palette de... Voilà. Un label que je vais foutre en haut à droite. Donc encre right top. Position. Donc en Y ce sera 0. Et en largeur, je ne sais plus ce que j'avais comme largeur d'écran. Là je suis en 10-10. Et donc la largeur d'écran ici, c'est 890, mettons 710, voilà, admettons. Le mieux ce sera quand même de mettre une grille avec les deux zones en question, ou le gérer de toute façon en fonction de la taille des images que je vais mettre pour les chiffres et les lettres. Histoire de faire je joue à nouveau avec Photoshop et Illustrator, puisqu'on l'a fait hier pour les couper les images, on va le faire aujourd'hui pour récupérer une fonte de caractère. Donc là mon label 2 ce sera le chrono, donc j'ai besoin d'un chrono, timer. Mon chrono il démarre à 60 secondes, il fera son travail, et donc à chaque fois qu'on change, on va changer la valeur du timer. Et donc là j'ai besoin d'une nouvelle propriété.
property temps restant, c'est un entier. Là, je contrôle C. Là, sur mon timer, temps restant, bah, c'est temps restant pour moins valeur moins 1. Hein. Moins 1. Et ici, if temps restant inférieur à 0, then, fin de partie. Donc fin de partie, je vais pareil déclarer au niveau du jeu et le faire hériter ici. Et il faudra quand même pouvoir éventuellement avoir une fin de partie au niveau du jeu. Et donc ça, et du coup, dans le cas contraire, else label 2, point texte, prend f temps restant, point toString. Donc j'affiche mon chrono, il doit se décrémenter tout seul, le démarrage se déroulera tout seul. Au niveau de mon jeu, donc j'avais un initialize, un init. Le init, il est surchargeable. Donc on va faire ça, et je vais le surcharger, l'appeler en premier, donc on reste sur les niveaux, les mêmes niveaux en fait, hein, sur le facile et autres. Donc au niveau de mon challenge, ici j'ai besoin d'un init, donc contrôle espace, init, en surcharge. Bon, par défaut, il rajoute en haut des commentaires. Il faut le mettre après les déclarations de variables et propriétés. Match CTRL C. Donc j'appelle l'unit de l'autre et j'initialise les éléments qui sont dans mon écran ici. Donc temps restant point enabled. Pardon, temps restant prend 60 secondes. Et mon timer. Donc là, c'est timer chrono. Mettons chrono, mettre mon chronomètre, point enabled, prend true. Le fin de partie, donc pareil, je vais le déclarer avant pour être tranquille. Donc j'ai fin de niveau et fin de partie, fin du niveau, procédure. Fin de partie virtuelle. Bah, je contrôle C. Tout doux à compléter si nécessaire au niveau du jeu classique. Ici, fin de partie, je vais donc le surcharger. Fin de niveau. CTRL S. Si je remonte, donc fin de partie machin, virtuel et fin du niveau, ok. Pardon, ils sont en prot. Oui, autant pour moi. Là, je vais pas pouvoir les surcharger puisqu'ils n'existent plus. Qu'est-ce qu'il nous fait? CTRL espace, fin. Ils sont protégés puisque je les ai laissés en private. Donc évidemment, c'est pas ça. Je vais les mettre en protected. Hop. Voilà. Et donc ici je peux mettre un truc protected. Et là je peux faire mon contrôle espace fin de partie et fin du niveau. Donc fin du niveau ici, contrôle espace fin de partie ici. C'est bon. Et quoi d'autre Alors je vois ce que j'ai fait pour le échappe. Sinon, il faudrait arrêter le chrono et ainsi de suite. On va noter. Alors, traiter. Touche ESP dans challenge. Arrêt chrono. Mise en pause. Ici j'ai fin du niveau, fin de partie, j'ai besoin de gérer aussi les scores en fonction du truc puisque je les change. Donc là je récupère mon annulation de carte, score mauvaise paire et score bonne pioche.
Voilà, mage contrôle C, je l'ai rempli. Donc, en fin de partie, je sais pas ce que je ferai, en fin de niveau, a priori, on affiche le niveau suivant, mais en fait, on va augmenter le niveau de risque, donc if, niveau du jeu, case, niveau du jeu, off, des niveaux... Ouais, je vais pas le gérer avec les numéros, ça risque de compliquer un petit peu la lecture. Donc si on est en niveau de jeu point facile, à ce moment-là, on va passer en niveau de jeu supérieur. Prend T niveau de jeu point moyen. Et ça, on le fait avant de réinitialiser le tableau de l'autre. Donc en fait, il faut le faire avant l'ancêtre. Que là, dans la fin de niveau, on se contente d'appeler l'initialisation du plateau qui lui-même dépend du truc. Donc on va appeler l'ancêtre après. Donc mon niveau de jeu, ou alors on l'écrase complètement, hein, au choix, mais je préfère le faire comme ça. Donc niveau de jeu, si on est en facile, on passe en moyen. Si on est en moyen, on passe en difficile. Et si on est en difficile... On passe en hard. Et alors, autant dire qu'en une minute, si quelqu'un arrive à passer les quatre étapes d'un coup, sachant qu'il attendra à peu près une seconde entre une erreur et le coup suivant, bah je lui souhaite bon courage. Donc, fin du niveau, c'est bon. Fin de partie, par contre, il doit faire quelque chose. Donc là, tout doux. Action. De fin de partie, affichage du score par exemple. Ensuite, nous avons, et alors là du coup, évidemment j'arrête le chrono, hein, puisque timer, chronomètre, point, 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 pour éviter de boucler, sinon ça va être le bordel, point enabled, en false. Et ça, à la limite, c'est pas ici que je vais plutôt le mettre, c'est plutôt quand je repasse en dessous de 0 sur le temps restant. Donc si je suis en dessous de 0, begin, end. Comme ça, quoi qu'il arrive, ça fait bien le travail, même si j'ai rien surchargé à ce niveau-là. C'est la fin de partie de l'autre qui serait appelé et qui ferait son travail. Donc ça, c'est bon. Annulation de cartes. Donc là... En cas d'erreur, là, le score, il va plus se mettre à jour. Donc là, je vais pas appeler l'héritage, en fait. Je vais rester sur le niveau sur lequel je suis. Donc là, mon score, il prend la même chose que mauvaise partie, mauvaise paire. Donc je vais faire score, mauvaise paire, directement. D'ailleurs, je vais le faire aussi sur l'ancêtre. Si on est sur une mauvaise paire, donc mon score prend le score moins le temps restant. Si on est sur une paire trouvée, mon score prend score plus temps restant fois 2. Donc 2 points fois le, ouais, ça, le temps restant. Et j'ai dit au niveau ancêtre, donc au niveau du jeu... quand on annule une carte, comme j'avais défini que c'était exactement la même chose que quand on était sur une mauvaise partie, pareil, score mauvaise partie, appelé directement, enfin mauvaise paire, appliqué dessus. L'affichage se débrouille d'un côté, l'affichage du chrono se débrouillera de l'autre. On est indépendant des deux. Salut North Gaël, merci pour ton follow. Sois le bienvenu. On a le calcul des scores qui se fait, le timer devrait se déclencher. On va quand même gérer une pause. Est-ce que j'ai un système de pause? Non. Alors on va rajouter un système de pause. Donc si on est là, fin du jeu, je vais rajouter une procédure pause. Pause. Pareil en virtuel pour pouvoir le surcharger et gérer les données de l'autre niveau. Mage CTRL C, to do, à compléter. Et donc, au niveau challenge, là je vais par contre arrêter
le truc. Donc là, contrôle espace, pause, je le surcharge. Et je vais plutôt l'appeler jeu en pause. Jeu en pause. Ici. Ouais. Jeu en pause, machin, et continuer partie. Plutôt reprise partie, reprendre partie. Reprendre partie. Arrêt partie. Et reprendre partie, comme ça. Comme ça, c'est bon. Donc, je vais remettre sur l'autre. Ici, je vais faire directement ça en override. Là, je contrôle C. Si je reprends la partie, je relance le chrono. Temps chrono. Enabled. Prends trou. Et arrêt partie. Chrono. Enabled, prend false. Bon, après, il faut archiver les données et tout comme ça, mais au moins, et donc, to do à compléter. Mais au moins, si j'appuie sur échappe, je vais pouvoir arrêter le chrono, éviter de faire des trucs qui traînent à droite à gauche. Voilà, à compléter là-dessus. Ctrl S. Là, c'est bon aussi. Donc, normalement, j'ai mon histoire de chrono qui passe. À l'écran, par défaut, il est désactivé. Donc, il ne démarrera pas en création de la fiche. C'est à moi de le démarrer au départ. C'est bon. Et donc, dans l'écran, chrono, en fin de partie, je l'arrête aussi. Enabled, enabled. Donc, en reprise, en initialisation, on l'active. En temps restant, on l'arrête, et en fin de partie, on l'arrête. Ok. Donc ça, c'est bon, et du coup, sur mon écran principal, là où je gère la touche échappe, le backspace, en fait, hein. Donc hardware backspace ou échappe, je gère normalement le passage en accueil, ici, et donc ça, et donc normalement, ici aussi, je devais avoir le bouton... Il est où, template, machin, truc, là. Template, 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 dialogue. Ça doit être celui-ci qui me sert pour tout. Je dois avoir un bouton back en haut à gauche. Il n'est pas sur celui-là. Ou c'est sur fond du jeu, pardon. Non plus. Il est où? Main. Il est où? Qu'est-ce que c'est cette histoire? Il est passé où lui? Alors, fin de niveau, non. Challenge, machin, c'est bon. Ici. Je dois avoir un bouton quelque part pour sortir. Save state, form show, machin, background, sauver les paramètres, cet écran. Ouais, j'ai dû le créer à la main en fait. Alors ici, form show, background, bouton, 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 close, close, close. Cet écran, accueil, clic. C'est celui-là. C'est celui-là, et donc, gérer la mise en pause du jeu ou du challenge. Donc là, if, donc je
in.